Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on fait la deuxième vidéo de cette série de Days Gone. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. On fait un petit récap sur la fin de la vidéo. Je vous invite à aller regarder éventuellement la première partie. C'est vraiment un jeu qui a du potentiel énorme et je me régale. J'espère que cet épisode vous plaira autant que le premier. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Moi, ce que j'aime, c'est partager du contenu avec vous et prendre du plaisir à faire ce que je fais. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et surtout à vous abonner et à activer cette cloche de notification pour les prochaines vidéos qui arriveront. Merci à vous, bon visionnage. Ciao. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. On dirait qu'ils sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné pour eux. Il a plutôt finir 6 pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais. Bon sang. Regardez. Quelle bande d'abrutis tout ce temps qu'ils sont. Ils ont dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. Tu sens ça? Oh putain! Ouais, bon. Allez, viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve. Tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. Tu vas me péter mon fusil. Ouais. Ok. Ok. Tu vas y retourner, hein? De quoi tu parles? Putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Pas responsable de sa mort. Laisse tomber. T'es monté dans l'hélico avec Sarah. Tout ce qui aurait changé, c'est que tu serais mort aussi. Laisse tomber, je te dis. Oh merde. Rien de saloperie. On passera pas par là. Hé, hey, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche! Braque ton phare par là-bas! Là, je peux prendre. Ok, donc c'est tab, reçoit, fabriquer, utiliser. Ok, comme ça on se remet full life. Ok. Encore des mutants!
Oh, j'ai pas vu. Oh, bordel. Il m'a fait flipper. Je fouille avant de partir. Ok, il y a un passage ici. Bizarre. Peut-être qu'il faut un sac. Siège. Voilà. Encore un nid. Ouais, je le sens. Il te reste combien de molotov? Tu viens d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en faire? Ouais. Ah bah voilà. Ce sera pas lent. C'est du jeu, après. Ça fera l'affaire. Allez, grimpe. Ouais, j'arrive. J'ai réfléchi à ce que t'as dit, de partir vers le nord. Ouais, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait les idées. Demain matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça me plaît. Bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans le coffre! Saleté de tétard. Ok, il en a tiré pas. Allez, mal. Fichez-moi le camp, saloperie. Ça y est. Ça avance, frangin.
Pas encore. Faut que je trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement une pompe à carburant. Bon bah grouille-toi. Je viens de passer un de ces... Comment t'appelles ça déjà? Les trucs que les Reapers accrochent. Des totems. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont dans les parages. Ça les foule. Un peu sadique quand même. Ça peut servir. Nice. Qu'est-ce que... Ça va donner un truc. On va recharger les armes. Entendu. Voilà. Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part. Voilà. Boozer, t'es là? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Dick! Des Reapers! Des Reapers! Non, non, non! Ah 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 merde! Des Reapers! Boozer! Ousmane! Tiens bon, Boozman, j'arrive. Ah, merde! Des Reapers. Je les entends. Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort! Les symboles des égarés! Lâchez-moi! Pas ta fils de pute! Hé, motard! Tu dois être déchu, motard, car tu es égaré et nous avons été trompés. Toi, mon frère, la voix, on va te montrer. Toi, ne va pas être trouvé. Tu es égaré. Toi, égaré. Renonce. 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 Toi, frère, toi.
T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey, j'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé hey, laisse mon fusil à pompe. Hé, hey, Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui.